Cette expression, le monde flottant, c'est un critique parisien qui l'a trouvé, ou l'a inventé. Après les gravures japonaises, ils sont arrivés à Paris à la fin du 19e. Et c'est un titre, une expression que moi j'aime beaucoup parce que il englobe beaucoup de choses. Beaucoup de choses du Japon. Le Japon, c'est un pays que moi j'aime bien et j'ai beaucoup d'influences de là-bas. Les Japonais, ils aiment beaucoup travailler sur papier. Et moi, j'aime bien les papiers. J'ai trouvé de très belles papiers là-bas et j'essaie de travailler sur des papiers. Mon technique, c'est de maroufler les papiers sur toile. Et après, on fait de la peinture sur ce papier. En fait, le papier, c'est une chose vivante. Il y a des formes qui viennent avec moi depuis longtemps, je ne sais pas. Et je crois que je suis un collectionneur de formes. Je collectionne des formes que je trouve même dans la rue, même dans la nature. Et quand je rentre à l'atelier, souvent il me revient des formes. Un peu c'est comme une obsession. Les sculptures, je fais aussi avec des papier de soie, collé sur le fer. Et l'oxyde de ce fer, il touche le papier. C'est une combinaison très bizarre, mais moi j'aime bien. C'est une chose très fragile et une chose très, très résistante. Moi, j'aime bien dessiner avec le fer. En fait, c'est comme dessiner. Et tu appliques ça comment? Avec du latex, de la colle, en fait. Et moi, j'aime bien parce que c'est des matériaux très durs, le fer, avec des matériaux très fragiles, comme le papier. Il y a longtemps que j'ai fait ça. J'essayais avec beaucoup de matériaux, mais ce que je préfère, c'est le fer.